Merci. Alors, il apparaît que c'est votre deuxième séjour à La Réunion. Vous pouvez nous dire en quelle période vous étiez déjà venu ? Alors, j'étais déjà venu donc, entre 2004 et 2007, donc à la section aérienne de La Réunion. Et justement, lorsque l'hélico a déménagé de la caserne La Redoute pour s'installer ici. Vous pouvez nous expliquer un peu quel a été votre cursus en tant que pilote d'hélicoptère ? Alors, j'ai débuté d'abord comme pilote d'hélicoptère sous-officier donc, dans l'aviation légère de l'armée de terre. De 1992 à 1999, donc j'étais pilote sur hélicoptère Puma. Durant cette période, donc, j'ai effectué beaucoup de missions OPEX, notamment en Afrique subsaharienne. J'ai connu aussi l'ex-Yougoslavie et donc en 1999, j'ai décidé de réorienter ma carrière militaire et de partir donc, en gendarmerie. Alors, vous avez une spécialisation en qualité de pilote de la gendarmerie, c'est-à-dire que vous êtes affilié pilote montagne, c'est ça ? Oui. Donc la gendarmerie donc, comporte effectivement plusieurs spécialités, dont les forces aériennes de la gendarmerie, donc qui sont les hélicoptères de la gendarmerie. Ça comporte 29 bases, et sur ces 29 bases, nous avons 8 bases à dominante montagne, et la section aérienne de La Réunion est la seule unité montagne outre-mer. Et donc pour armer ces unités, les équipages doivent être obligatoirement détenteurs d'une qualification montagne, pilote et mécanicien de bord, qui est effectué au sein du centre de vol en montagne à Briançon. Et c'est une spécialité mise en place par la gendarmerie. Vous nous expliquez un petit peu à quoi correspond cette qualification ? Alors, cette qualification montagne, pour les pilotes et les mécaniciens de bord, pardon, elle est destinée à évoluer dans un environnement assez spécifique qu'est la montagne au niveau conditions de vol, que ce soit par l'environnement montagneux, donc avec la perte de la référence horizon, l'aérologie, la météo capricieuse, l'altitude aussi, et de voler à proximité effectivement ben, de tout ce qui est paroi rocheuse. Voilà. Mon capitaine, vous avez une particularité, vous êtes aussi pilote instructeur. Vous pouvez nous expliquer ce qu'il en est de cette particularité et en quoi elle peut vous aider aujourd'hui ? Oui, bien sûr. Alors, donc la partie instructeur, moniteur, hélicoptère et dans notre spécialité montagne, en fait, elle nous permet de former, entre guillemets, la relève, hein, les pilotes à l'environnement montagneux, dans tout ce qui est domaine de vol. Et chez nous, la particularité de la qualification montagne, c'est qu'elle est tournée surtout vers le côté opérationnel de la chose. Donc cette qualification montagne, elle se déroule grosso modo sur un an pour les stagiaires et elle comporte 4 phases de 15 jours. Voilà. Et donc le centre de vol en montagne qui est à Briançon, pendant les stages, est armé par les instructeurs montagne des forces aériennes. Est-ce que vous avez trouvé qu'il y a des différences pratiquement 20 ans maintenant ? Ouais. Est-ce que vous avez ressenti des différences par rapport à votre expérience aussi, est-ce que vous aviez vécu en 2004 ? Alors effectivement, Lille effectivement depuis entre 15 et 20 ans a beaucoup évolué en fait, on va dire hein, malheureusement le béton a pris beaucoup d'emprise sur les hauts et c'est ce qui j'ai trouvé changé, ça a changé un petit peu la physionomie de Lille. Qui dit béton dit forcément obstacle artificiel en plus. Donc ce soit les lignes électriques, donc il faut se réapproprier cet environnement-là quoi, quand on arrive. Vous êtes affecté pour combien de temps, mon capitaine ? Pour l'instant, on va dire que je pars sur 3 ans et avec une possibilité de 4e année. Merci, mon capitaine. Avec plaisir.